Avril Moreton-Jacquinet, du lourd tout à l'heure, avec Périne. Et c'est Sabrina qui a pris le meilleur départ. Donc vous pouvez récupérer et faire justement Sabrina dans le team Meunier les billets à tarif réduit pour Pont-Bruant. De même que pour la Varée, vous pouvez récupérer des billets à tarif réduit auprès du team Lardonnière. Sabrina, déploie le verrou de Sabrina. C'est Catherine. Il ose la voiture, Catherine Chartin. Ah, et à Périne, elle ne quitte pas Sabrina. La jeune Périne, ton joker. Allez, tour joker pour Sabrina, qui va sortir devant. Oui, Sabrina est toujours en tête. Et la victoire sera pour Sabrina. Périne, une belle deuxième place. Enfin, mieux celui-là, je trouve. Bonne fête, Périne. Oui, c'est à cette Périne aujourd'hui, alors que pour l'instant, on n'a pas le temps de reculer. Hein. Mais déjà, la deuxième série est partie. Alexandre Vincent, Coralie Moreau et Anderson E. Floris. Et devant, c'est la ravissante Brune qui est devant. Ouh, ouh là 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 là, Sandra, limite. Oui, moi non plus, il fallait qu'elle continue. Elle a vu la baliroute de près. Hein. Allez, maintenant, le petit E à la poursuite de la charmante Coralie Moreau. C'est rien, parce que le nuage est juste là. Après, avec la marée, le temps va changer à midi. C'est connu, la marée de l'Indre. Elle revient, Sandra, mais à mon avis, elle n'ira pas chercher Coralie. Hein. Oh. Ah, y a beaucoup... Il faudrait qu'elle le prenne maintenant, Coralie. Thank you.
débarrasser un petit peu de Anderson. Parce qu'elle revient, Sandra, hein, en troisième position. Et elle ne le prend pas. C'est Anderson qui prend le tour joker. Et il sortira comment? Et il sortira et derrière. Hein, Sandra revient très fort là, elle fait des chronos là. Sandra. Allez à Coralie. Oh, c'est bon. Oui, oui, elle sortira devant. Ne vous rangez pas les ongles pour autant. Eh, ça roule là. Allez, elle plonge dans le tour joker. Bien au milieu, voilà, bien propre. Ouais, elle sort devant. Ouais, mais du coup, Sandra qui va se retrouver seconde, on va additionner les points. Ça a tout nous changé pour la quatrième manche. Belle victoire de Coralie. Devant Sandra et devant Anderson. Porter quand même une série. Et Moreau. Ouais, il est bien là. Jean-Michel Guérin qui s'est mis en deuxième position. Moreau en troisième. À l'extérieur, le petit Julien Ardonnière qui fait l'extérieur. Il n'a pas peur. Et Donna. Guérin, Moreau, Ardonnière, c'est pas idiot de prendre le tour. Joker maintenant et Flon. Nicolas Flon. Ah, voilà les Playmobil qui arrivent. Bah écoute, c'est plus facile à comprendre qu'un spotter. Il n'y en a pas un qui sait ce que c'est qu'un spotter. Casque, vous ressemblez à des Playmobil, c'est plus facile. D'ailleurs, il revient bien, le pilote Autopark. Et Tom Dola. Tour joker pour Jean-Michel Guérin. Pareil pour Flon. Et voilà, le petit Ardonnière récupère une place. Et la blanche aux couleurs de départ 2000 prend le tour joker. Moreau va faire pareil. Jean-Michel Guérin récupérera peut-être la deuxième place, ce qu'il fait d'ailleurs. Et le petit Ardonnière a pris la quatrième. Pas mal aussi ce que fait Moreau. Mathieu Moreau qui récupère une troisième place en venant. Loné, bon départ. Valé à louper le départ. Oh, mais ici pour le bas, maintenant ils sont à 3 de front. Et du coup, comme tout le monde est parti à l'extérieur, celui qui a pris le meilleur
à la sortie de la courbe, c'est Bardot, Vallée, ton joker pour Launay, Ménez, et abandon pour Uto. Là, ils sont tous frottés, mais bon, fête de course. Ménez, Bardot, et Launay qui collait derrière Vallée. Il va la situation, il va la voir. Il n'est pas en ligne droite quand même. Et... Allez, là, on ne voit pas tout dans le fond d'ici. Allez, tous les deux dans le tour joker. Et regardez qui va sortir devant. Allez. Le petit Launay. C'est bon ça. L'idée était bonne hein, dans le premier tour. Il emmène même Vallée. Il y a une manif là. Il y a une manif de Twigo. C'est pas comme l'arrivée. Il demande. C'est sûr que le départ n'était pas comme l'arrivée. Celui qui s'en sort le mieux finalement, c'est Marceau Launay. Mais aura-t-il le meilleur temps? Ah ben oui, ça remonte les points pour lui.